Ouais, ça va assez vite, hein. On tenait des moyennes à pas loin de 17,2. C'est un peu humide à bord. Si on arrive à avoir des conditions un petit peu stables, là, à la sortie du cours et avant les îles anglo-saxonnes, et ben, j'aimerais bien pouvoir me faire quelques siestes et bien manger et me changer, etc. C'est vrai que j'ai pas beaucoup pointé mon nez dehors, il est à peu près pour le Méditerranéen que je suis. Il y a un moment donné, on est retourné à terre et je pensais que c'était bien. Et Pierre Quiroga est un peu parti, il est 3000 devant nous. Depuis hier, on a sorti les piolets encore pour remonter parce que, une fois de plus, on n'a pas les remontées mécaniques sur cette étape. Pas mal de terrain perdu quoi, donc voilà, j'ai plus la navigation qui va bien, Adrena, avec la météo, la stratégie et tout, donc voilà, je suis un petit peu en galère là depuis hier.